Pour avoir été jeune moi-même, je comprends que quand on a 15-16 ans, on est en train de faire notre caractère, on est en train de forger notre personnalité, mais on n'a rien à prouver à personne. Puis souvent, c'est juste une montée de qui va faire la chose la plus haute. Puis les gens n'ont pas d'idée comment est-ce que c'est dangereux. Puis dans le fond, ils vont gagner quoi au bout de ça? Tout ce qu'ils risquent, c'est de perdre. Puis une voiture, c'est une bombe sur roue. Puis les gens s'en doutent pas. Puis là, ben, il y a tout ce qui vient avec, la boisson, les cellulaires, tous les événements distrayants, parce qu'on sait qu'un accident, c'est plusieurs éléments ensemble qui font qu'il arrive un accident. Le cœur bat une seconde, il est arrêté. Puis ça, c'est une fraction de seconde. Puis c'est ça que les gens comprennent pas. Des fois, c'est souvent la maladie qui emporte les gens, mais surtout dans les cas où il y a des accidents de la route, ça se passe. Les gens avaient du plaisir une seconde avant, puis une seconde après, c'est complètement le contraire. Puis, tu sais, je pourrais vous dire des fois l'odeur du sang dans un véhicule. Tu sais, des fois on parle de l'odeur d'alcool, mais l'odeur du sang, l'odeur de la mort, ça a une odeur, ça, c'est indescriptible, indescriptible pour moi l'odeur de la mort, mais ça sent quelque chose. Le regard de quelqu'un qui est décédé, qui a le regard dévié, puis qui regarde dans les airs, c'est des choses que j'ai vues régulièrement, mais on fait avec, c'est notre réalité des. On apprend à vivre avec ces choses-là, mais c'est des choses qu'on voit régulièrement.